J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, la vidéo, ça va être sur notre traversée de l'Atlantique. Là, comme vous pouvez le voir, je vous filme le début de l'autre côté. Bon, j'ai pas eu le temps avant de partir, désolée. Et nous, je vais vous garder uniquement les bloopers pour vous faire marrer un petit peu et également vous montrer les idées de menu et des petites fiches recettes pour que vous puissiez quand même réaliser cette petite recette pendant vos traversées. Ok, premier jour pour le midi, petite salade avec les crevettes que j'avais préparées, tomates, concombres, radis et salade. Et voilà, petite pâte, poulet, basilic, courgette. Alors là, deuxième jour de navigation. Pour ce midi, je prépare une salade verte avec des petites graines de tournesol parce que la salade verte commençait à fatiguer. Et les patates que j'avais pré-cuites, je les ai mises en plus. Ça c'est plus simple, on part du principe que j'en fous partout. Et moi, on est sûr qu'on n'est pas déçu. Oh là là, mais pourquoi ça demande autant de manger? J'en peux plus là. Si j'avais su quand elle m'a demandé si je voulais trancher, j'aurais dit oui. Et quelques petites graines de sésame pour la décoration. Oui, c'est le jour où j'ai le plus seul, le mal de mer, que je décide de faire de la déco. Hein. C'est super. Oh, ma coopération n'est pas très présente. Alors on voit que ma petite décoration n'a pas du tout grillé parce que voilà, le four ne chauffe que par en dessous et a coulé par contre. Donc voilà, pour ce soir, petit gratin de pommes de terre, courgettes, tomates et carottes. Donc transatlantique jour 3. Pour le repas de ce midi, nous avons une salade de pâtes, tomates, concombres, carottes, jambon, parmesan, basilic. Et on va essayer de rouler tout ça, hein. Let's have fun. Oh putain de merde, ils sont partout. Ok, on va laisser surcuire le riz. Colle un peu là parce que là, pas là. On sent pas trop un peu là. Ouais, je mange du poulet. Troisième jour des traversées de l'Atlantique. Donc on a une petite paella avec des poivrons, des carottes, des oignons, des tomates, du riz, du poulet et des petites moules et des épices. Transatlantique, jour numéro 4. J'ai fait une petite salade verte avec des carottes, des concombres, des radis, petite vinaigrette, petite os de chèvre chaud et des œufs mollets. Donc pour ce soir, nous avons un petit gratin de pâte façon carbonara. Voilà. Transatlantique, jour numéro 5. Nous avons pour le repas un petit taboulé avec carottes, persil, concombre, tomates, raisins secs, hop, citron, huile d'olive, vinaigrette, avec du cake aux olives et tomates, et du houmous parce qu'il faut. Alors, cinquième jour. On en a marre de ne pas pêcher, donc notre capitaine nous a créé un petit appât homemade avec un tuyau d'arrosage de la Dyneema jaune fluo ainsi qu'un petit hameçon avec un petit poisson dessus. Donc on va mettre ça à l'eau et puis vous verrez. J'ajoute ma jambe là, je vais pas y arriver. Alors, transatlantique, jour numéro 5. Donc, pour ce soir, on a chili con carne qui frémit avec du riz et un petit coucher de soleil.
Alors, c'est quoi ce truc? Barracuda. I don't know if we can eat a thing like this, but. But finally, we fish a fish. Cette vidéo t'a donné des idées, t'as mis un petit smile ou bien tout simplement t'as plu. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu, à bien sûr t'abonner en cliquant sur la petite cloche et à partager parce que tout le monde a besoin d'un petit menu comme ça à suivre, non? Mais oui! On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo et oui, la traversée a duré 15 jours donc... On a de quoi faire et voilà, régalez-vous et videz vos campus.